Chup les petits amis. Excuse-moi, débarre la con. Donc nous voilà pour un petit épisode sur FF7. Alors oui, la semaine dernière, techniquement parlant, j'en ai pas fait, mais bon, le premier en fait, je l'ai mis lundi. C'est-à-dire qu'il y en avait un quand même la semaine dernière. Donc déjà, vous en aurez au moins un cette semaine, voire peut-être deux. En fait, le problème c'est que bah, je l'ai fait en avance, les épisodes, mais après, il y a toute la partie montage, etc., qui prend un peu de temps. Voilà, c'est ça le côté un petit peu longuet de la chose. Donc, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh ben, j'en sais rien. Je sais plus. On avait fait péter le réacteur number 7, si je me souviens bien. Bref, on avait fait péter un réacteur avec toute l'équipe. Et puis, on était rentré en train, tranquillement. Voilà, peine un pépère. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais qui je suis? Mike Tyson? Ha! Bah, c'est mon boulot consiste à empêcher les crapules comme toi d'essayer de se faufiler ici. Eh mec, on se connaît pas. Ouah, t'es fortiche. Oh là. Gay. C'est bien vrai, ne pas perdre son temps en bavardage, c'est ce que je dis toujours. Mais bonjour. Excuse-moi, tu ne peux pas passer sans autorisation. J'ai bien conduit cette fois. Il faut que tu aies plus d'endurance. Ouais. Ouais. Mais je savais rien dire. oui, on est tout seul. C'est d'accord. Alors du coup, j'ai réglé les touches. Hein. D'accord, pause, par contre ça marche pas comme ça. La seule touche que j'ai pas réglée techniquement parlant, c'est la touche pause en fait qui se situe sur la touche R3 de la manette. Donc, la première vue start ça fonctionne pas donc je sais pas, je suis sûr. Oh, calme-toi, pareil, calme-toi. Ça va, tranquille. Alors je ne sais pas ce que c'est ces espèces de petits bruits. Hein, au départ, je croyais que c'était Barrett qui tirait, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand il rentre dans la porte. Ça, vous êtes pas trop effrayé? Tu as entendu? Ah oui, ça, ça se joue avec la... D'accord. Donc, il y a un bulletin d'information, ils disent qu'une explosion terroriste a eu lieu là-haut. Et cette fois-ci, ce n'est pas un réacteur Mako. Bah si, c'est un réacteur Mako, non? C'est ce que ça signifie? Non, quoi? Tu vois, je suis au-dessus de tout ça. Et si toi et moi, si tu l'emportes sur le pouvoir de Midgar, alors tous ces ordinateurs et tous ces signaux sont réduits à néant aussi. Financièrement, les dégâts ont dû s'élever au moins à 1 milliard de guilds. Et ce n'est pas tout. De nombreux innocents ont également péri. Je sais pas pourquoi je prends cette voie-là. Si l'explosion avait eu lieu au milieu de la nuit, les gens au moins seraient partis dans leur sommeil. Je regarde juste un truc, d'accord. Et oui. Super, je m'en fous en fait. Est-ce que je peux parler l'excité là? Cette explosion de Mako a vraiment mis Midgar sans dessus. Oui, je m'en fous, je vais parler. L'explosion, bah mon vieux, bah, c'est vraiment cool. Eh ouais. Toujours mec. Alors, je crois que je peux aller chercher quelques objets déjà. Oh mon dieu! Mais qu'est-ce qui se passe cette nuit? Je trouvais ça étrange, cette longue coupure d'électricité. Ils disent qu'un autre réacteur Mako était détruit plus haut. Ouais, c'est ça, c'est un réacteur Mako. Pourquoi n'importe quoi l'autre? J'étais là tranquille, je buvais un coup en regardant les informations. Oui, tu te saoulais quoi, c'est un connard. Là. Et soudain, on me flanque à la porte de la boutique. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Salut Johnny. Ouah, purée, je suis parti, j'adore leur cocktail fait maison, mais ils vous prennent par surprise. Ah, vas-y, répète. Je suis parti, j'adore leur cocktail fait maison, mais ils vous prennent par surprise. Ok, des faux trucs sont bien. Non, alors, je me baladerai dans le village un peu plus tard, en fait, parce que il me semble que j'ai pas de sous, là, ouais, voilà, c'est ça. Donc, d'abord, tu vas me donner mes sous. Ok, passez devant, on peut se tutoyer, si tu veux. Ah, non, tu veux pas. Toi, Claude, bouge ton gros derrière. Tu t'es vu, connard. Ça, c'est bien le bruit faisait la porte. Papa! Non, non. Mais Marlène, quand est-ce que tu regardes que ton père fait 2 mètres de haut et black? Ah putain, j'arrive plus à parler. Marlène, tu es derrière Claude? Salut, gros sein. Ah, puis comment elle se met là? Ah, salut. Bienvenue à la maison, Cloud. On dirait que tout s'est bien passé. Excusez-moi. Ah, oui, alors ça, juste pour expliquer cette phrase, parce que ça, vous demandez pourquoi pas cette fois, en fait. Alors, ce que j'ai lu, si je me souviens bien, dans la version originale, donc du coup la version japonaise, il y avait une scène en plus qui se passait avant, et dans laquelle Cloud se battait avec Barrett. Si je me souviens bien. Je suis presque sûr que c'est ça, si je dis pas de conneries. Et du coup, voilà, bon, nous, pauvres version pâle que nous sommes, nous n'avons pas le droit à cette scène. Donc du coup, ça veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que je réponds? Alors, du coup, je vais arrêter l'épisode là, et je vais vous demander qu'est-ce que je réponds. Non, j'ai compris.
T'es battu avec Barrett. Est-ce que je me suis battu avec lui? Bah oui, je me suis battu avec lui puisqu'il était à mes côtés. J'aurais dû m'en douter. Il est agressif et vous êtes toujours battu depuis l'enfance. Depuis l'enfance. On se connaît pas depuis l'enfance, mais c'est pas grave. Je vous ai du souci. Voilà, c'est le genre de trucs qui veulent rien dire, hein, là, au niveau de la traduction, et en plus ils nous coupent des scènes, donc je vais la laisser en tant que Tifa, hein, bien sûr, c'est vrai. Des fleurs, très jolies, on en voit presque jamais ici dans les Tony. Mais, une fleur pour moi? Oh Cloud, tu n'aurais pas dû! Alors, oui, je vais la donner à Tifa, parce que je vais faire quelque chose qui se fera plus tard dans le jeu. Et du coup, je vais être gentil avec Tifa. Merci Cloud, elle sent très bon. C'est une fleur, quoi. Sinon, enfin, on remarque ça quand il est en étodie, mais. J'aurais peut-être rempli un magasin de fleurs, ouais, ça serait pas mal, ouais. De quoi si je te parle? Mais alors, Claude, Marlène a l'air un peu intimidée. Elle a l'air petite. Ça va? Non, mais vas-y, parle-moi, connasse. Oh, l'alcool, l'alcool, les gars. Ah, rien ne vaut le premier verre après la fin d'une mission. Pourquoi tu n'en prendrais pas un, toi aussi? Pourquoi pas? Oh, voyez-vous ça? Même si t'es un membre du soldat, t'es encore un bleu ici, alors tu ferais mieux d'écouter tout ce que je dis. Pour qui tu te prends, mec? Tu veux te battre? Vas-y, viens, on va dehors. Vas-y, viens, viens, viens. Et toi. Oh, Cloud. Tifa, c'est vraiment bien cuisiné. C'est pour ça que t'es... En tout cas, je vais te raconter quelque chose. Bon, allez, sois gentil. Tifa me fait toujours goûter ce qu'elle prépare. Et regarde à quoi je me sens maintenant, je suis grassouillé. Ah, c'est pour ça. Je ne sais pas si je dois être heureux ou triste, bravo Tifa. Mais c'est la qualité de la nourriture et la boisson qui fait la renommée de cette boutique. Et toi? Eh ouais, j'ai du calme. Un peu de calme. Ok. Putain, il y a un paquet de clopes aussi, j'ai l'impression. Oui, alors je me casse, ça c'est ça. Oh là là. Comment il débaroule le mec. Papa! Ça y est, maison! Ouais, trop cool! Tu vas bien, Barrett? Super, ouais, je suis plaque. Venez ici, Spézio, comment ça va? Et mon fric? Et mon fric? Mon fric? Ok, donc lui il prend l'ascenseur, les autres sont obligés de sauter comme des malades. Assieds-toi. Ouais. Vas-y. Vas-y, mec. Enfin, meuf. Que dirais-tu d'un coup à boire? Ouais, quelque chose de fort. Bonne petite vodka martini ou un truc comme ça. Attends, je te prépare ça. Tu vois, ta télé est un peu niquée là. Oh super, le verre invisible, j'adore. Je suis contente que tu aies pu revenir sain et sauf. Qu'est-ce que vous avez tous? Tout à coup, ce travail n'avait rien de difficile. Je suppose que non. Tu es parti du soldat. Il s'étouffe le mec. Ah, surtout être payé par Barrett. Ah oui, t'inquiète. Ça, je m'en charge. Ne t'inquiète pas, je reviendrai dès que j'aurai cet argent. Quoi, si je te reparle, est-ce que je peux boire un coup? Je viens de descendre, d'accord. Cloud, tu te sens bien? Oui, pourquoi? Comme ça, tu as l'air un peu fatigué. Salut! Oups! Eh, hey, regarde la nouvelle! Quelle explosion! Fast news! Tu penses que c'était à cause de ma bombe? Pour la fabriquer, j'ai simplement suivi l'indication de l'ordinateur. Super! Fabriquer des bombes sur internet, c'est cool. Oh non, j'ai dû me tromper quelque part dans mes calculs. C'est pour ça que tout le monde est mort. Tu je suis un peu trop tendu. La prochaine mission consistera à faire sauter le réacteur du secteur 5. Cloud, tu es extraordinaire, tu es jamais nerveux? Ou alors tu es insensible? Non, ça ne peut pas être ça. Si, 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 c'est ça. En fait, j'en ai rien à foutre. Alors, attends, normalement, je peux te parler, toi. Merde, pourquoi c'est bloqué? Vas-y. Alors, je précise quand même, je parlerai pas forcément... Non, bah, je peux pas te parler. Super. Oui, petite précision, je parlerai pas forcément à tous les PNJ. Là, pour le moment, je le fais. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça deviendra lourd. Hein. Je veux dire, les PNJ, il y en a 3,588,000 dans l'eau, donc... Non, je parlerai pas à tous les PNJ. Voilà. Merde. À part si vous insistez vraiment. Ils vont me payer, peut-être. Non, je déconne. Hey, Cloud, j'ai quelque chose à te demander. Y avait-il un soldat parmi nos adversaires? Personne, j'en suis sûr, enfin, si techniquement c'était des soldats, ouais. Non, je suis... Black pouille. Tu l'as vraiment sûr? Ouais, arrête de taper dans... S'il y avait quelqu'un du soldat, tu ne serais pas là maintenant. Pam!
ne sois pas si méprisant juste parce que tu as fait partie du soldat. Tu faisais partie du soldat. Biggs, tu fais quoi là, Barrett? Ah bah il est mort, voilà. Voilà, déjà un de moins. Oui, tu es fort. Tous les gars du soldat le sont probablement. Mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour Avalanche. Ne t'obstine pas à t'accrocher à Shinra. Restez avec la Shinra. Tu m'as posé une question et j'ai répondu, c'est tout. Et tu te calmes? Je monte, je veux mon argent. Oui, fais-moi mon argent. Eh, mon argent. Mince alors, argent. Argent, je veux argent. Attends, Cloud. Tifa, laisse-le partir. On dirait que la Shinra lui manque. J'avoue. Tais-toi, connard. Je me fiche de la Shinra du soldat. Mais comprenez-moi bien. Je me fiche d'Avalanche et de la planète d'ailleurs. J'ai juste mon fric. Et je veux juste faire un bisou à Biggs. C'est Biggs, hein, c'est ça. Cloud. Tu dis que tu t'en fiches, mais tu es venu me parler. Cloud, tu recherches simplement des amis. N'est-ce pas? Excuse-moi, parce qu'en fait, c'est la première fois que je parle un petit peu à tout le monde, du coup, je m'attends pas à. Je m'en fiche complètement. Tu es terrible, tu as vraiment du sang-froid. Ouais, ouais, je suis un connard, hein. Ça va, Mavel? L'argent. Oh, l'argent. Il devait y en avoir beaucoup à la clé. Bien sûr, et bien que diable, c'est un contrat verbal, maintenant il faut calculer ça. Oh, arrête, Claude, tu m'as entendu? Arrête de me faire chier. Dégage! Casse! Je casse! Y'a rien piqué dans le coin là? Dans le frigo là, j'ai faim, petite faim, non? Non plus? Bon bah je me casse. Echo Cloud, je t'en prie, joins-toi à nous s'il te plaît. Ah ouais, j'ai un accent anglais maintenant. Ou allemand, je sais pas. Désolé Tifa. La planète est en train de mourir lentement, mais elle meurt. Il faut faire quelque chose. Alors laisse Barrett et ses copains s'en charger. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors tu t'en vas vraiment? Regarde Minimart, tu pars comme ça sans te soucier de ton ami d'enfance? Quoi? Alors oui, là aussi c'est une mauvaise traduction parce que en gros si vous voyez il y a une phrase qui veut dire j'en ai rien à foutre et l'autre qui veut dire enfin voilà quoi, je m'excuse, non, comment tu peux dire ça? Bien sûr que non, je n'ai pas oublié mon ami d'enfance. Mais le problème c'est voilà, ces deux phrases là, ça veut un peu dire la même chose, donc tu sais pas quoi prendre. Et je crois que je m'excuse, ça veut dire que j'en ai rien à foutre. Tu as oublié ta promesse alors? Promesse? Alors tu as vraiment oublié? Souviens-toi Cloud, c'était il y a 7 ans. Surtout que dans celui-là, ils sont vachement jeunes, je crois. Si je me souviens bien, Cloud il doit pas avoir 17 ou 18, je sais plus. Quelque chose comme ça, je me souviens plus. Ah non, 21, non, oui, si, quand même, il a 21, c'est ça. Non, c'est dans le 8 où ils sont encore plus jeunes et le 9 où ils sont encore plus jeunes. Enfin, si on peut dire ça. Oh, regarde le puits, tu te souviens? Au flashback, tous ensemble, drogue. Oui, à l'époque. Tifa est souris, mais Cloud pas trop. Hein. Je pensais que Tifa ne viendrait jamais et je commençais à avoir froid. Et je t'ai réchauffé, bonhomme. Non, c'est pas ça. Pardon, je suis en retard. J'ai mis ma plus belle robe pour aller au bal. Quelle ambiance. On assiste à la plus merveilleuse scène d'amour au monde. Tu voulais me parler de quelque chose? Le printemps est là, je pars pour Midgar. Voilà, parce que en été je pouvais pas. En hiver il faisait froid. Tous les garçons quittent notre ville. Plus rester que des meufs, ça va être un beau bordel. Mais je suis différent d'eux, je ne vais pas simplement chercher un emploi. C'est moi ou. Ah, Cla, t'avais une petite queue de cheval à l'époque, je m'en souvenais pas. T'aurais dû garder ça, ça aurait fait super, ça aurait fait un petit peu full metal alchemist. Hein? Ed. Ed, c'est ça. Je vais rejoindre le soldat. Ils s'en foutent complètement. Je veux devenir le meilleur, comme tout comme Sephiroth. Sephiroth. Alors moi oui, je vais dire Sephiroth. Parce que ça se dit Sephiroth. Sephiroth, le grand Sephiroth. Non, bon, je suis sur la langue. Sephiroth. Au revoir. Ah, petite mèche de cheveux. Ah. Vas-y, tu es allé, bonhomme. Il y a quelqu'un qui le porte, là.
N'est-ce pas dur de rejoindre le soldat? Non, c'est super simple. Hein. Je ne pourrai probablement pas revenir dans cette ville avant un moment. Tu te marres ou tu pleures? Hein? Seras-tu dans le journal si tu réussis? Si je réussis pas aussi, parce que du coup je vais mourir. J'essaierai. Et on pourrait se faire une promesse. Non. Si tu deviens vraiment. Non. Je sais pas trop. Tu es vraiment célèbre et que j'ai des problèmes, tu viendras me sauver. D'accord? Quoi? Ouais. Chaque fois que je serai en difficulté, mon héros viendra à mon secours. Je veux connaître cela au moins une fois. Quoi? Hein? Allez, promets-moi! Bon, ok, promets. Ah, une étoile filante! C'est obligé. Tu te souviens maintenant? Non? Notre promesse? Je suis ni un héros ni un homme célèbre, je n'ai pas à tenir cette promesse. Mais tu resteras d'enfant, non? Tu rejoins le soldat? Alors, tu dois tenir ta promesse. Oh, oh le singe! Oh là là, bah arrête, t'es un singe! T'es un singe, c'est tout, pas ta faute. Attends une seconde, espèce de soldat de rien. Oh putain, l'insulte. Ne m'insulte pas comme ça, s'il te plaît. Une promesse, c'est une promesse. Ici, ici, sale chien! C'est le fric de Barrette. Je me souviens pas que c'était écrit le fric de Barrette. 1500 guilles. Ouais, cool, je vais pouvoir m'acheter une bagnole avec ça. C'est mon salaire, laisse-moi rire. Ça... Quand même, j'ai fait péter un réacteur, j'ai tué des mecs, bon, 1500 guillemets. Quoi? Alors tu... Tu as pris la première chaîne de mission, je m'en charge pour 3000. Quoi? Hein? D'accord. Psst, psst. Nous aurons besoin d'aide, non? Pouah! L'argent est destiné aux études de Marlène. Non mais, Marlène a un problème mental. C'est pas de sa faute. Elle arrivera à rien. 2000. Merci, Cloud. Mais j'ai pas dit oui, moi j'ai demandé 3000 moi. Moi c'est 3000 ou rien, je me casse. C'est une honte. Mec, en plus, c'est... Là, c'est pas marchandé, hein. Est-ce que je peux éteindre la télé? Ah non, d'accord. Ils ont drôle de façon d'éteindre la télé chez eux. Bon allez, go YouPorn. YouPorn. Non, je peux pas, c'est nul. Est-ce que je peux frapper? Ah mais sinon je pouvais frapper là-dedans. Bon, c'est parti. C'était calme de plus en plus. Bah, Marlène, déjà à ton âge? Bien, descendons. Tu as bien dormi? Ok, à tes côtés, on dort bien. J'ignore ce que tu veux dire. Oh, cette fois, je m'en vais. Ok, je te ferai plus d'avance. Ok. Donc, t'es genre de fille là, je croyais que t'étais facile. Pas grave, je vais m'attaquer à la petite. Notre cible est le réacteur de secteur 5, direction la gare d'abord. Je vous mettrai au courant dans le train. Hey Cloud, avant la prochaine mission, je voudrais te demander quelque chose. Je ne sais pas vraiment comment essayer à l'intérieur. Je vais donner un matériau que j'ai trouvé et tu m'apprendras à m'en servir. Alors, je vais faire, tu n'y comprendras rien, parce que déjà ça va m'aider pour ce que je vais faire plus tard. Et ensuite, bon, parce que sinon ça va me faire un tuto sur le matériau et je n'y tiens pas. Parce que je sais très bien comment ça marche. Donc voilà. Je vous expliquerai. Alors c'est comme ça que ça se passe, soldat, hein. Ok, je redemanderai juste plus tard, mais tu es responsable de la matéria. Enculé. Oui, je suis très vulgaire, je sais. Claude, j'ai reçu un message du vieil homme du magasin d'armes, en haut. Il veut donner quelque chose, n'oublie pas. Marlène, serait la boutique jusqu'à mon retour. C'est une gamine, hein. Je demande de sur une boutique, c'est chaud. D'accord, bonne chance. Et là maintenant, est-ce que tu peux me parler? Je suis sûr que tu peux. Fais attention. Ok. Alors, le fameux système de matériel. Donc. Dans ce jeu-là, la magie marche à coup de matériel. Hein, donc en fait, voilà, c'est ça. C'est des petites boules, on va dire ça comme ça. Des petites boules d'énergie, si on peut appeler ça comme ça. Qu'on met en fait dans des orifices dans les armes. Et les armures aussi, mais bon là... la marque que j'ai ne me permet pas de le faire. Bref. Donc à chaque combat, on gagne des AP. Là par exemple, on en a gagné 64 et pour le niveau suivant, il en fait 1936. Je sais plus ce que ça veut dire AP, c'est PC point, c'est sûr. Ah, je sais plus. Bref, c'est pas très grave.
Et bah à chaque niveau qu'une matara gagne, déjà elle gagne de la valeur aussi par une occasion. Puisqu'ensuite on peut les revendre, hein, c'est une possibilité. Et en plus du coup elle gagne donc des magies supplémentaires, genre après là au niveau suivant on aura éclair 2, au niveau d'après éclair 3. Et puis au niveau maître on aura rien de plus, mais je crois que ça fera un peu plus de dégâts quand même, si je me souviens bien. Et puis ça se rendra surtout beaucoup plus cher. Et en plus quand on arrive au niveau maître, on crée une nouvelle matara. En sachant que quand on équipe une matara aussi, voilà, on a des effets, enfin l'effet de la matara. Par exemple, elle a fait force moins 1, magie plus 1, HP max moins 2% et MP max plus 2%. La plupart des matara fonctionnent un petit peu comme ça, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois les HP prennent un coup, les MP augmentent, et puis généralement la magie augmente et la force diminue. Parfois ça peut être aussi un peu la dextérité, ça dépend des matara. Donc là sur Clad on a foudre et glace. Alors il y a bien entendu pas mal de sortes de matérias. Là pour l'instant on a que la magie. Mais après on aura des matérias aussi commandes. On aura des matérias soutien. Matéria commande ça peut faire des commandes spéciales. Vous verrez ça un peu plus tard. Matéria soutien bah, c'est pour créer des effets en fait sur les armes et les armures. Genre un effet de glace ou absorbe glace etc. Et puis bien entendu matéria d'invocation qu'on aura aussi bien plus tard enfin, dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a restauré aussi. Donc restauré, à qui je le mets? Tifol, je te mets restauré. Ouais. Ok. 1-1-1-1-1. C'est chiant ce son. Hein. Ah ouais. Alors, donc ça c'est bon, j'étais bien équipé. Bon, on va faire un petit tour dans le village. Hop, 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 hop. Alors, c'est peut-être là le magasin. Je sais plus où est le magasin d'armes par contre. Alors, tu es qui, toi? Ah, encore une mauvaise journée. Ça continue comme ça, ce magasin va fermer. Pas moyen de vendre un médicament correct dans ce Tony. Oh, regardez-moi ça, ça n'arrive pas toujours, vous... Vous êtes un client? Oui. Oui, bienvenue, nous vendons, nous achetons. Ouais, super! Mais je vais rien t'acheter. Ah, bien que... Du feu, on en a pas. Alors, attends. Je vais t'acheter des trucs, hein. Vas-y, sois patient, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on a comme matériel? On a foudre et glace, donc on n'a pas de feu. C'est possible qu'on en ramasse beaucoup plus tard, mais je crois que c'est beaucoup plus tard, justement, comme je viens de dire. Donc, je vais juste m'acheter un petit feu. Voilà. Eh mec, t'as pas du feu. Et donc, je vais le mettre à barrette. Ok. Super bien fait. Voilà. Juste pour... Oui, parce que je crois que je vous ai pas expliqué un petit peu le menu, et j'ai dit que je vous l'expliquerai une fois qu'on aura... les matériaux, donc je vais le faire, j'en profite aussi. Alors, éléments, bah, c'est pour tout ce qui est éléments. D'ailleurs, voilà, hop. Donc tout ce qui est éléments, donc potions, enfin tout ce qui est objet en fait. Voilà, tout simplement, avec les objets clés qui sont ici. Magie, donc bah c'est tout simplement les magies qu'on possède, hein, celles qu'on peut aussi utiliser en dehors des combats, par exemple comme les guéris, hein, voilà. Très spécial. Bon, les matas, ça je viens de vous l'expliquer, donc pas de soucis. Donc équiper, donc c'est bah, l'équipement qu'on peut s'équiper, voilà. Donc on peut s'équiper à chaque fois d'une arme, d'une armure. Alors en fait ils appellent ça une armure, mais à chaque fois c'est que des bijoux, hein, donc je veux dire voilà, il y aura pas tout le truc, tout le stuff complet, torse machin, non, ça sera que des bijoux. Et d'un accessoire, petite boucle d'oreille, voilà, très fashion d'été, avec des petites plumes sur la gueule, voilà. Vous remarquez aussi au niveau de l'augmentation. Alors non, chaque armure déjà, ou arme, du coup c'est pareil, possède un certain nombre d'orifices, sachant que parfois les orifices sont liés, donc quand ils sont liés, c'est-à-dire qu'on peut faire, on peut lier en fait deux matérias, ce qui peut provoquer des effets assez sympatoches, bon ça on verra quand on aura des matérias liés, pour l'instant c'est pas trop le cas. Et aussi, donc on voit aussi augmentation, donc alors augmentation normale, ça veut dire en fait que le nombre d'AP augmente normalement, c'est-à-dire qu'on gagne le même nombre d'AP qu'on a à la fin du combat. Quand il y a aucune, bon là en même temps il n'y a pas d'orifice, donc forcément dans ce cas-là on gagne pas du tout d'AP, même si à la fin du combat il y a des AP, on ne les gagne pas, on se fait zapper, excuse-moi, c'est nul. Et parfois on peut aussi avoir double ou triple, et là dans ce cas-là ça double le nombre d'AP ou ça triple le nombre d'AP, voilà. État, donc ça, bah voilà, on voit tout ce que... l'état des personnages, hein, au niveau de l'expérience, des limites à laquelle on est, force, dextérité, vitalité, magie, esprit, chance, bon ça je vais pas trop vous en parler, hein. Truc habituel dans les RPG, c'est pareil, attaque, pourcent attaque, défense, pourcent défense, etc. Bon, voilà, attaque magique, défense magique, bon c'est les trucs qu'on retrouve un petit peu dans tous les RPG. Éléments de base, donc ça... Voilà, c'est ça. Donc ça en fait, c'est comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, on va pouvoir lier certaines matérias, ce qui va faire...
en gros qu'on va pouvoir par exemple attaquer, on va pouvoir faire en sorte que notre arme attaque avec un certain élément, donc feu, glace, foudre, etc. On va pouvoir aussi réduire les dégâts donc de moitié, les mettre carrément sans effet ou en absorption uniquement avec les éléments bien entendu. Voilà, on ne peut pas non plus devenir invincible, c'est-à-dire que les attaques physiques, on ne pourra jamais arriver à zéro, sauf avec des cheat codes, bien sûr. pareil, on peut aussi faire en sorte que notre arme attaque avec un certain effet. Donc voilà, mort, quasi-mort, sommeil, poison, etc. Et puis on peut aussi être défendu, on peut aussi obtenir des défenses sur certains effets. Sauf avec un certain objet qui est très important, que je vais essayer d'obtenir, qui nous permet d'avoir une défense sur la plupart des effets. Voilà, bon, placer, c'est juste pour replacer les personnages. Voilà, avant, arrière. Attendez, je sais plus si ça veut dire qu'il est en avant, ou si c'est ça. Je crois que ça c'est en avant, et ça c'est en arrière. Donc d'ailleurs, Barrette, je te place en arrière. Parce que bien entendu, il y a aussi le placement dans le combat. Alors, en fait, quand on est en avant, on attaque plus férocement, si on peut dire ça comme ça. Mais on prend plus cher. Voilà, donc plus de dégâts mais on prend plus cher. Alors que si on est en arrière, on fait moins de dégâts mais on prend moins cher. Sauf pour ceux qui attaquent bien entendu à distance, comme Barrette, qui en arrière attaquent autant que s'ils étaient en avant. Par contre, ils prennent quand même moins cher. Voilà, donc ça peut faire un petit plus. Qu'est-ce qu'on a? Donc oui, alors limite, c'est parce que voilà, on a plusieurs limites. Hein, au bout d'un certain moment, en fait, on va en obtenir d'autres hein, par différents moyens. À chaque fois, il y a deux limites. Enfin, ça dépend des personnages. Il y en a certains qui en ont qu'une, qu'on aura un peu plus tard. Mais en gros, normalement, il y a deux limites par niveau. Pour obtenir la deuxième limite à chaque niveau, il faut faire, je crois, un certain nombre de fois la première limite. Et ensuite, pour obtenir les limites de niveau 2, il faut tuer un certain nombre d'ennemis avec le personnage. Donc, ça veut dire en fait qu'on peut obtenir le niveau 2 avant d'obtenir la deuxième limite du niveau 1. En sachant que pour la limite du niveau 4, il faut toutes les déverrouiller. Voilà, je pense m'être bien fait comprendre là-dessus. Bon, en ce qui concerne la config, bon voilà, c'est juste pour configurer un petit peu le... Je vais me permettre d'ailleurs de faire ça. Voilà, ok. Est-ce que ça a bien pris en compte? Ok, voilà. Voilà, ça pourrait être un peu plus utile. Et voilà, du coup je me casse, j'ai acheté ce que je voulais. Alors on en a combien? Les 20, j'ai commencé à quoi? J'ai commencé à 100. Ok, bon, il me reste encore un peu de temps. Bon, parfait. Palabam, pam, pa... Salut mec. Hé, hey, toi, attends une minute. Tu vas sortir comme ça sans rien acheter. Ça pourrait être malsain pour toi, c'est ce que je veux dire. C'est des menaces. Donc ça, c'est le mec qu'on était censé aller voir, hein, qui est censé nous donner quelque chose. Je crois qu'il a pas envie de nous donner quoi que ce soit, mais bon. Alors, donc bijoux de fer, ouais, on va s'en acheter 3. Parfait, fusil d'attaque, tu l'as déjà. Puis on va s'acheter quelques petites grenades. Voilà, bon, j'ai plus grand-chose, mais ça va m'être utile. Salut, bye. Tu dis plus rien, mon vieux, tu es fatigué? Pourquoi tu ne demandes pas de reposer chez moi au troisième étage? Il y a une seule condition, faut me donner un peu d'argent. Tiens. Oh! Vas-y, installe-toi confortablement dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Complètement malade, ce mec. Hé, hey, il va oublier. Oh, toi! Alors, mon ami, au deuxième étage, il t'apprendra. Ok. Alors, je vais juste faire un truc. Je vais en profiter pour les équiper. Voilà. Des bijoux que j'ai achetés. Voilà. On vendra ça plus tard. Bijoux juste qui donne une augmentation normale, voilà. De toute façon, les armes qui ont aucune augmentation, elles sont rares. Enfin, c'est même pire qu'elles sont rares. En fait, c'est qu'il n'y a que les dernières armes, si je me souviens bien. Et les armes qui ont des augmentations double et triple sont assez rares aussi, hein, je vous rassure. Généralement, c'est plutôt du normal. Alors, non, on va déjà aller ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ils ont... Ok, un point de sauvage qui se promène. Tout à fait normal. C'est le hall des débutants. Tu dis que t'es débutant, mais tes yeux disent le contraire. Ne joue pas avec moi, j'étais membre du soldat. Je vais dire tout ce que je sais pour pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, voilà, donc ça c'est du tuto. Donc on s'en fout. Voilà, je vous ai plus ou moins parlé de tout ça en fait. Donc voilà, on va pas discuter plus que ça. Est-ce qu'on peut discuter avec le chien? Oui, d'accord. À part nous gueuler dessus. D'accord, ok, ouais, je m'en fous. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hein? Touché? Mais enfin... Je suis le curseur de position, appelle-moi lorsque tu ne sais plus où tu es. Ouais! Appuie sur la touche de sélection et j'apparaîtrai au-dessus de ta petite tête. Eh bien, tu crèves l'écran encore plus que moi. C'est quoi ce jeu? Je suis sur le passage, dans ce cas, appuie encore une fois sur la touche de sélection, je ne suis pas mal occupé.
et je ne serai pas toujours disponible lorsque tu auras besoin de moi. Si jamais je ne me pointe pas, ne te fais pas de bile. A plus tard. Wouah. C'est le curseur qui nous parlait, hein. Tout va bien. Matatu. Ah bah voilà, en plus c'est super, j'ai une Matatu. Hé, tu viens d'en recevoir juste à l'instant, c'était de la matéria. Ensuite, prends ce coffre à trésor. Boum. Gros coffre. Éther. Ça prend un éther en plus. C'est tout. Maintenant, écoute, de nombreux... Écoute. De nombreux éléments ont été cachés dans ces coffres à trésors. Ces coffres contiennent toutes sortes de boîtes et de poches. Ok, des coffres avec des poches. Et des boîtes. Fais attention à les repérer toutes. Ok. Alors, déjà, je vais en profiter pour faire un truc. D'accord. Ok. Alors, c'est pas grave, pour l'instant, on va la mettre là. Bah non, on va faire quelque chose d'encore mieux. C'est toi qui aura le feu. Et c'est toi qui aura restauré. Voilà. Parce qu'en fait, l'effet tout permet tout simplement de viser le groupe entier. Donc ça peut être utile, par exemple, quand on fait un guéri. Voilà. Puisque là, on s'est limité. Au début, en fait, au niveau 1, on peut le faire qu'une fois. Au niveau 2, je crois, 2 fois. 3, 3 fois, si je me souviens bien. 4, 4 fois. Et puis 5, 5, je crois que c'est plus ou moins fini, en fait. On peut le faire autant que... Si je me souviens bien. Voilà. Mais c'est pas comme dans les autres FF où on pouvait le faire automatiquement. Voilà. Ok, alors ensuite, qu'est-ce... Ouais, bug. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est le fameux point d'enregistrement. À un point d'enregistrement, tu peux utiliser une tente. Oui, non, bon, d'accord. Okay. Wow, ouais. Là, je parle pas. Je. Je suis un coffre à trésor. Ok. Bah, donc là, je ne. Je ne lis pas, puisqu'en fait c'est des tutos, mais je me souviens plus. D'accord. Je ne suis pas assez cruel pour prendre de l'argent à des gars comme toi, mais on va discuter un moment. Hop. Ok, et ensuite, toi. Clac, frappe à l'aide. Ok. Il faut t'accrocher, ta jauge de limite commence seulement à se remplir. Waouh. Ok, maintenant que ta jauge de limite est remplie, tu peux y aller. Bâton sur ta technique de je sais plus quoi. Bravo. Ok, d'accord, c'est juste ça. D'accord, bon, on va profiter pour enregistrer. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas en fait à combien je suis au niveau temps d'enregistrement. Je veux pas aller trop loin parce que je sais que les vidéos de... d'une heure au plus peut être chiante, bah c'est simple, 41. D'accord, 30 minutes. Ok. Le problème c'est que je suis plus sûr que je puisse avoir un point de sauvegarde beaucoup plus loin. Oh. D'accord, c'était juste pour dormir. Bon, ok. Pam 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 pam. Hop. Comment on descend? D'accord. Je me souvenais plus. Excuse-moi petit, tu me gênes. Merci. C'est gentil. Ok, ensuite. Donc c'est pas là. C'est pas là. Allez mec, dispersion, on y va. On y va. Bon. Ils sont encore là, les connards de soldats. Peut-être que cette vidéo va être légèrement plus longue que d'habitude. Parce que je vais quand même essayer d'aller jusqu'au prochain point de sauvegarde. Donc je sais plus exactement quand est-ce qu'il est. Normalement, dans pas longtemps non plus. Mais voilà, c'est possible qu'elle soit légèrement plus longue. Pas beaucoup. Tchou-tchou. Oh. C'est pas un wagon privé ici, alors dégagez. Ok, c'était coéquipier, hein. Encore des truands, mon dieu, c'est bien ma veine. T'as dit quelque chose, crétin? Je répète. T'as dit quelque chose? La gueule de Barrette. Oh, regarde ça, je me suis vidé tout d'un coup. Que se passe? Ok, alors...
Je me suis vidé tout d'un coup. Alors c'est pas une phrase choc, hein, comme quoi il vient de... d'éjaculer sur le mec, oui, non, il a pas fait ça. C'est encore une fois un putain de défaut traduction, puisqu'à l'origine, si je me souviens bien, c'est plutôt que le train s'est vidé d'un coup. Voilà. En ce genre, bon, il s'est vidé, mais c'est juste ses coéquipiers qui sont cassés, c'est pas grave. Zut! C'est vide à cause de... Voilà, en plus, il le dit bien. À cause de types comme vous. Oh là là! Tu avais une nouvelle, non? Alors, on se dit qu'il y aura d'autres bombes. Seuls des employés dévoués comme moi iraient à Miga un jour comme celui-ci. Je travaille pour la Shinra! Je ne cède pas à la violence, je ne donnerai pas mon siège non plus. Directeur de la Shinra. Ah oui, d'accord, c'est un directeur. Barrett! Alors, connard, espèce de vénard de ta race de chien. Voilà, moi les gros mots je les dis. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Zut, qu'est-ce qui te rend si mou, tu me les brises? C'est vulgaire quand même comme jeu, hein. On dirait qu'ils ont fini d'accrocher les voitures, on démarre enfin. Alors, quelle est notre prochaine cible? Ah, écoute, monsieur sérieux dans le travail. D'accord, je vais te dire. Jester a probablement déjà dit, mais il y a un point de contrôle au niveau de la plaque supérieure. C'est un système d'analyse d'identité par scanner qui vérifie tous les trains. Enfin, tous les wagons plutôt. Ou tous les trains, enfin, sauf. Bref. La Shinra en est fière. Écoutante. Nous ne pouvons pas utiliser les fausses identités que nous avions jusqu'ici. Bonjour et bienvenue sur les lignes de Midgar. L'heure d'arrivée à la gare de secteur 4 sera 11h45. Ouais, c'était secteur 5 qu'on débutait. Ça veut dire qu'il ne reste que 3 minutes avant d'atteindre le point de contrôle d'identité. Bon, dans 3 minutes, on saute de ce train. Compris? Claude, viens ici, regarde le moniteur de carte ferroviaire. Mais je l'ai déjà vu, j'en ai rien à battre. Je l'ai déjà... Bonjour monsieur le clochard, comment allez-vous depuis la dernière fois? Vous êtes les seuls à me parler ou à venir chez moi. Je suis impressionné. Madame la clochard, d'accord. Ok, je sais pas. Non, je voulais parler au mec. Putain, merde. Fais chier là, big boobs. On dirait que tu as déjà vu ça. C'est bien, approche un peu. Plus près. Ah bah oui, voilà. Vous vous souvenez bien qu'on était pas juste tapé deux fois. C'est bizarre, le contrôle était censé se faire plus loin. Alerte de sécurité de type A, présence de passagers non identifiés confirmée. Toutes les voitures vont être fouillées. Alerte de sécurité de type A, présence de passagers non identifiés. Ok, on a compris, ça va. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On est dans le sale drap. Bah non, on n'est pas dans le drap là. Les scripteurs, vite, va dans notre voiture. Jess, t'as toujours la bouche. Ah, merde, quelqu'un a sifflé. Sifflé, oui. Ça veut rien dire. Passagers non identifiés repérés dans la voiture numéro 1. Préparation au verrouillage. Ils le disent avant de verrouiller les portes, hein, au cas où, tu vois, pour que les mecs puissent avoir le temps de fuir. Allons-y, suis-moi. Voiture numéro 1 verrouillée. Avertissement de passage niveau 2. Dépêche, ils vont fermer la porte. Cours, c'est tout. Passagers non identifiés, voiture 2, préparation au verrouillage. Putain, j'ai que 14 secondes. Bon, du coup, je parle pas au mec, hein, c'est normal. Numéro 2 verrouillé, passage au niveau d'avertissement 3. Faut qu'on se casse la barrette, hein. faut qu'on se casse, barrette, barrette, barrette. Très bien, on est tiré d'affaire. Pas encore, il commence un nouveau contrôle, si on est pris on est fichu. Mais ne t'en fais pas, si on va vers l'avant du train, voiture après voiture, on devrait passer à travers. Barrette, ah. J'ai pas vu qui a foutu un coup de poing à qui, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un mec par terre? Passer en identifié déplacement vers l'avant du train, direction en cours. Voilà, donc je me suis fait voler du fric et le mec il est content, quoi, connard. Voiture numéro 3 verrouillée, là. Qu'est-ce que. Mec, dégage, dégage! Dégage! Voiture numéro 4 verrouillée, passage en arrière de sécurité maximum. Vous êtes pas du tout suspect en faisant. Très bien, on arrive ici. Putain, les mecs pas discrets, quoi, tourne de gauche à droite. Oh, par ici! Putain, Barrette, t'es un singe quoi, tu es là. Allons-y, nous allons sauter d'ici. Eh, je peux te sauter. Bah oui, mais je peux pas passer là. Hein. Oh non, pas ça. Ok, je te propose, c'est pas grave. Hein. Trop tard pour dire ça maintenant, pourquoi tiens-tu à venir? Pourquoi? Je sais pas. Parce que... Oh, la super raison. Et vous deux, pas le temps pour ça. Allez, Tifa.
Les femmes d'abord. Oui, j'ai pris une décision. Regarde bien, je vais sauter. Voilà, elle est morte. Ça te fait rien si j'y vais le premier? Le second, mais c'est pas grave. Un chef reste toujours jusqu'au bout. T'en fais pas pour moi, vas-y. Oh, fais gaffe à toi. Nous ne sommes qu'au début de la mission. T'inquiète, mec. Je suis les épargnés du soldat. Plus tard, occupe-toi du reste. Ça veut rien dire, je considère. Faites gaffe à vous, les mecs. On se retrouvera là-bas. Bon, jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Enfin, bah non, parce qu'on a été repéré. Bref. Non, lâche pas tant attention avant que nous arrivions au secteur 5. Voilà. Biggs, Wedge et Jess ont tout préparé pour nous. Alors, allons-y. Ouais, je rentre dans toi. Bien, le réacteur est jusqu'au bout de ce tunnel. Et je me transforme en Cloud. Et juste au bout de ce tunnel, j'imagine. Ces rayons lumineux sont des détecteurs de sécurité de la Shinra, on ne peut pas aller plus loin. Bzzz. Après être arrivé si loin, seul un amateur serait opéré par le détecteur de sécurité. Mais je suis un amateur. Va dans le détecteur. Ah, il va pas. Bon, ok. Petit passage secret, non? Genre là. Ah, ce bruit désagréable. Quel trou rare. Tu me demandes de rentrer là-dedans pour passer sous la plaque, pas question. Bonjour madame. Oh Claude, qu'allons-nous faire? Oh, moi je descends, je suis malade. On sent ce truc, file la frousse. Mais fiche la frousse, on s'en fout, c'est pareil. Putain. Alors, ok, donc ici on a un objet, voilà, que j'ai toujours une drôle de tronche, les objets. En dessin. Hein. Ah oui. Ok, on redescend encore. J'adore ça, j'adore descendre. Mes bonnes grosses échelles avec des bons gros barreaux. Alors, ah, il me semblait qu'il y a un point de sauvegarde ici. Putain, putain, il est où le point de sauvegarde? Vas-y, mec. Bon, à droite, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Et là, il y a un combat. Voilà. Faut dire que cet épisode n'a pas été jusqu'ici très très riche en combat. Hein. Donc maintenant, regarde, je peux fuir. Voilà. J'ai les touches pour fuir. Hop. Oui, alors, je vais surtout attaquer. Moi, j'aime bien garder ma magie pour les boss. Oh, oh t'as raté ton coup. Et oh, le naze. Tiens! Tiens! Donc c'est ça, Barrette est bien en arrière. Perfect. Vas-y, tu te calmes! Vas-y, tu te calmes! Oh là là! Ils ont de la résistance, les. Ouh! Ils ont de la résistance, les Poskai! Ouh, j'aime pas les résistants! Ah putain! Ah la vache! J'ai dû utiliser la magie pour eux quand même. Hein. Ah putain. Dès le début on a des résistants comme ça. J'aime pas ça. Ah d'accord, Tifa Tech niveau 5 quand même. On va refaire un effort ma belle. Alors. Ouais donc c'est ça, on a deux échelles. Claude, par ici, le réacteur numéro 5 est en haut de cette échelle. D'accord, ok. On a quoi là? Rien, d'accord. Alors, on va plutôt monter par l'autre échelle pour voir ce qu'il y a d'abord. Et puis ensuite, on ira dans celle-là. Eux, par contre, je crois qu'ils ont pas beaucoup de vie. Surtout si on fait des coups critiques, ils en ont encore moins. Voilà, parfait. Ah, j'aurais cru qu'ils auraient même pas attaqué une seule fois, mais si. Oh, raté! Tan tan. Ok, alors. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut de cette échelle? N'inquiétez pas, on ne peut pas se faire attaquer sur une échelle. Ah, parce que ça paraîtrait pas logique. Les monstres ne savent pas prendre des échelles. Eh ouais. Bah, je croyais que c'était en haut de l'autre échelle. C'est ma gueule ou quoi, là? Ouais. Enfin, olé. Ce qui s'est passé dans le train lors de la détection d'identité était entièrement ma faute. Je voulais créer une carte spécialement conçue pour toi, mais j'ai dû faire une erreur. J'avais pourtant tout prévu, mais j'ai échoué.
Forcément, hein, je suis un beau gosse, donc fallait mettre une belle tête. Alors, est-ce que ça... Ah bah d'accord. Ok. En effet, c'est en haut de cette échelle. Les deux mènent au même point, c'est super. Ok. Ah, mais il y a un objet, là. Je peux pas ramasser ces objets tranquillement. Alors, ne vous fiez pas forcément à la couleur des objets, hein, parce que... Tu fais affreusement mal. Mon dieu. C'est vraiment quand même bien fait, la version PC. Oui, donc, avant d'en venir à ça... parce qu'en fait, parce que là l'objet par exemple il est gris, mais les objets dans ce jeu là ont tous une couleur n'importe comment, sans pas ça. C'est du pur hasard, voilà. Il faut pas se fier aux couleurs des objets. Sur la carte, hein, enfin sur, voilà, quand on les ramasse. Alors, on va se permettre de faire un grand coup sur ta tronche. Succès grand coup, ouais. Et oui, je disais que les graphismes sont vraiment bien faits sur la version PC, hein, la vache. Bah, sur la version PlayStation, voilà, pour l'époque c'était super aussi, mais... je veux dire, la version PlayStation est beaucoup plus moche que la version PC, enfin je trouve, hein, j'ai qu'un son. Ses avis, bien entendu, là-dessus, hein, c'est, voilà, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon humble avis, hein. Alors, bah voilà, il y a un petit point de sauvegarde, je me disais aussi. Je suis sûr que c'est une tente, l'objet, là. C'est une tente. Tantous, comme toi, Bix, tantous. Nous allons partir maintenant, nous nous retrouvons au QG. Cloud, nous comptons sur toi pour faire sauter le réacteur. D'accord, donc oui, ils sont tous partis. Tente, voilà, c'est ça. Bon, et eh ben écoutez, petits amis, là je crois que j'arrive environ à 45 minutes, voire un tout petit peu plus. J'ai dû dépasser. Putain, non, sérieux. J'ai dû légèrement dépasser. Donc, je fais une petite sauvegarde. Ouais. Voilà, ok. Et bah, je vous dis sup pour un prochain épisode, donc cette semaine c'est sûr vous en aurez au moins un, bah celui-là, celui que je viens de tourner. Et bah j'essaierai de vous en faire deux si possible, mais bon voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'essaierai. Press. Voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, d'ici là éclatez-vous bien. Sup.